caméra là est dirigée droit dessus, il nous arrive dessus là. Au troisième coup je dois le louper parce que il arrive droit dessus, il aurait mis une balle dans la tête là, à 3 mètres de la caméra, ça aurait été mythique. Thank you.
bien de deux, trois minutes. Il y a trois balles. La vidéo se termine, on espère vous avoir montré de belles images et vous avoir fait ressentir un petit peu nos émotions parce que Dieu sait qu'on en a eu pendant ce voyage qui a été vraiment, vraiment extraordinaire, en tout cas pour ma part. On fera un petit tour d'horizon de comment chacun a vécu ce voyage. Mais en priorité, on va remercier Caïs qui a été vraiment extraordinaire. Très honnêtement, moi j'ai jamais vécu ça en voyage, en termes d'accueil, nourriture, logement, on a été, enfin voilà, c'était trop, c'était ouais, beaucoup trop, et vraiment on a été accueillis comme des rois, donc mille merci Caïs, ouais, l'organisation c'est pas facile, t'as beaucoup de bonhommes à gérer pour les trackers, pour la nourriture, pour toute la logistique. On a bien vu que tu t'es décarcassé pour nous faire tirer des sangliers, pour nous faire chasser, pour faire tuer le premier sanglier au chasseur des canards. Et puis voilà, donc vraiment mille merci. Et puis bah, maintenant, si tu peux nous parler un petit peu de ta chasse, du séjour et de ta chasse, de comment fonctionne un petit peu... la chasse ici en Tunisie, quoi. Voilà. D'abord, je me parle. Je suis Khaïs Dridi, je suis un organisateur de chasse touristique. On fait les chasses de sangliers et grives aussi avec un autre guide qui s'appelle Lazar Guide. C'est un ami à moi, ensemble on travaille en collaboration. Oui. Donc Caïs, toi comment ça s'organise ici la chasse? Comment les gens peuvent venir, etc. Les saisons, comment tu organises ça sur la saison de chasse commence à partir, surtout le sanglier, à partir du 1er octobre jusqu'à fin janvier. Et après le 8 décembre, on a la chasse aux grives. C'est jusqu'à fin mars. Et pour l'organisation, ça dépend le 6 jours de chasse. Si le sanglier, on a 5 jours ou 6 jours par semaine, mais pour la grive, on a seulement 3 jours. D'accord, ok. Donc nous, par exemple, on a fait 3 jours, mais voilà, c'est un peu variable, etc. Ouais. Et on peut venir à combien de chasseurs ici en Tunisie? Pour la chasse touristique, toujours sanglier, c'est 12 personnes. Voilà, c'est ça. Donc c'est des petits groupes. L'avantage, c'est que c'est plutôt facile à organiser. On n'est pas trop nombreux, donc c'est aussi sympa, très convivial. Et on passe vraiment un très bon moment. Je pense que vous le verrez dans les vidéos. Après voilà, on a fait deux jours dans la montagne. De montagne et de l'Atlas, et après on a fait dans l'Atlas, au milieu de Tunis, au centre de Tunis, à Kerouen. On a vu beaucoup de paysages différents, que ce soit dans les montagnes, dans des forêts. Beaucoup de pays étoiles. On a été dans, comment on appelait ça, des sortes de rivières moitié asséchées. Assez un peu marécageux où du coup on a un biotope complètement différent. Enfin, c'est vrai qu'on a des paysages magnifiques, je pense que les images parleront d'elles-mêmes, et du coup on est vraiment dépaysé en venant chasser ici, on découvre complètement autre chose, enfin pour ma part en tout cas, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. Seulement 3 heures d'avion. Voilà. C'était 3 heures d'avion de Paris et on arrive dans un paysage magnifique, très riche, de belles couleurs. Et puis beaucoup d'animaux. Des gens très très sympathiques, c'est important dans les voyages de chasse parce qu'on n'est pas là que pour balancer des cartouches ou des balles. Le seul truc qu'on parlait, c'était qu'ici seulement sont autorisés donc les fusils, donc on ne chasse pas avec la carabine. Mais au final, c'est très pratique avec Tunisair de venir ici. Il n'y a pas beaucoup d'embêtements avec tout ce qui est armes. Et du coup, c'était moi ce qui m'a vraiment touché ici, c'était au-delà du cadre et de la chasse, c'était vraiment la sympathie des gens qui t'entourent, de ton équipe. Et de la qualité d'accueil qui nous a fait passer vraiment un excellent séjour. On sent que voilà, les gens veulent faire plaisir et veulent et font tout pour qu'on réussisse, qu'on passe un super moment, et c'est vrai que ça fait très plaisir. On est même
On est même vraiment très surpris de cette super prise en charge, quoi. C'est royal, vraiment. Je sais pas si vous avez le même ressenti, mais à chaque fois, quand on tue un sanglier, ils sont plus contents que nous. Quoi. Ouais, nous, on est contents, mais ils nous remercient, ils nous attrapent dans les bras, ils nous embrassent. Et ils sont, voilà, c'est le succès de leur travail, donc c'est pour ça aussi qu'ils sont, vachement heureux de nous faire partager ça, quoi, de nous faire découvrir ça ici. On a rencontré de super belles personnes, donc un vrai régal, et quelle hospitalité, franchement. Même le midi, hein, vous voyez, quand on mangeait là sur la table et tout ça, c'est super sympa, c'est convivial. Et franchement, non. À faire. Soyez le bienvenu. Caïs, le mot de la fin, est-ce que tu as. On va mettre de toute façon tes coordonnées pour ceux qui sont intéressés pour vivre le même voyage. Et puis avec une bande de copains, il y a vraiment moyen de se poêler et de se créer des beaux souvenirs. C'est aussi ça, nous, qu'on fait tous ensemble. Et donc Caïs a été le premier à nous offrir cette opportunité de nous retrouver tous les quatre. Et ça, c'est un vrai plaisir. C'était vraiment quelque chose d'important pour nous, ce premier événement. Et je pense qu'on peut tous dire qu'on l'a bien réussi, qu'on a vécu des super choses. Donc encore mille merci, Caïs. Ouais, merci, Caïs. Un grand merci. Bravo pour ton Merci à vous aussi. Pour Caïs, c'est bébé. Voilà.